était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appelle ses trois fils. Mes chers petits, venez voir maman. Il est temps pour vous de construire vos propres maisons. Vous êtes devenus grands et ma maison est trop petite. Allez mes enfants, mais surtout prenez garde aux loups. Bonne route mes chers petits. Un des trois petits cochons rencontre un jardinier. Dans sa brouette, une botte de paille. Bonjour monsieur le jardinier. S'il vous plaît, vendez-moi ces bouts de paille pour que je bâtisse une maison. Le jardinier lui vend la paille et le petit cochon se met à construire sa maison. Finit vite et s'installe dans sa maison en paille. Oh, comme elle est belle ma maison! Pendant ce temps, le second petit cochon rencontre à son tour le jardinier. Dans sa brouette, un fagot de bois. S'il vous plaît, monsieur, vendez-moi ces bouts de bois. Construire ma maison. Le jardinier lui vend les bouts de bois et le petit cochon se met à construire sa maison. La construction lui prend plus de temps. Puis, il s'installe dans sa nouvelle maison. Belle ma maison. Le troisième petit cochon rencontre lui aussi le jardinier qui pousse sa brouette remplie de briques. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, vendez-moi ces briques pour bâtir ma maison. Le jardinier lui vend les briques et le petit cochon se met à construire sa maison. Il s'applique, pose même une cheminée. Il finit et s'installe dans sa maison. En voilà une chouette maison avec une cheminée, s'il vous plaît. Pris par leurs travaux, les trois petits cochons n'ont pas remarqué qu'ils étaient surveillés. Derrière les arbres se tenait le loup affamé. Une faim de quoi déjà? Ah oui, une faim de loup. Je vais commencer par le petit cochon de la maison en paille. Le loup se dirige vers la maison en paille. Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer. Non, 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 par le poil de nous, petit menton, tu ne rentreras pas. Ah bon? Puisque c'est comme ça, je vais souffler et ta maison s'envolera. Le loup ne se décourage pas et se dirige vers la maison en bois. Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer. Non, 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 par le poil de nous, petit menton, tu ne rentreras pas.
Ah bon? Puisque c'est comme ça, je vais souffler et ta maison s'envolera. Les deux petits cochons courent vers la maison en briques. Ici, vous ne risquez rien. Le loup se dirige vers la maison en briques. Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer. Non, 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 par le poil de nous, petit menton, tu ne rentreras pas. Ah, c'est comme ça. Alors vous allez voir. Je vais souffler tellement fort que la maison s'envolera. Cette fois-ci, la maison tient bon. Le loup est furieux. Le loup tourne en rond. Il a très faim. Mais comment faire? Il s'en va. Les trois petits cochons entendent du bruit dans la cheminée. Allumons un feu. Oui, bonne idée. Encore un petit effort. Et voilà. Oh, c'est haut. Attention, bah j'arrive. 1, 2 et... Yahoo! Aïe, ouille! Au feu! En secours! Pour moi, les cochons, c'est fini. Promis, je vais changer de régime. Voilà tout. Quant aux trois petits cochons, ils vivent tous ensemble dans la maison en briques. S'il vous plaît, vendez-moi ces briques pour me bâtir une maison. C'est vous de bois, s'il te plaît, pour me bâtir une maison à bois. S'il vous plaît, vendez-moi ces bouts de bois pour me bâtir une maison. Petit cochon, laissez-moi entrer.